1, 2, test. Si je branche mon 4 sur mon PC, je vais avoir un décalage. Comment ? Si je branche le 4 sur mon PC, j'aurai un décalage. Oui. Hey, ici, ok. Là, on fait quand même. On fait juste pour vérifier qu'il y a du son et qu'on n'a pas oublié de mettre un truc. Je vais me faire d'une oreille. Bon, pour ce match-ci, ça ira parce qu'il n'y a pas trop de...
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur basketféminin.tv.com pour cette nouvelle grande soirée de basket féminin avec deux huitièmes de finale aller de l'Eurocoupe. Le premier opposera d'ici une petite minute trente les Youngcats à la redoutable formation russe de Sheva Kata. Et on vous fixe d'ores et déjà rendez-vous à 20h30 pour un autre huitième de finale entre les Belges du Dexia Namur Capital qui reçoivent les Françaises de Hainaut Basket Saint-Amand-les-Eaux. Un solide match en perspective, mais on l'a dit tout d'abord, les Youngcats face aux Russes de Sheva Kata. Et là, autant le dire tout de suite, la tâche s'annonce compliquée pour les petites Belges. Mais pourquoi pas rêver d'un exploit à domicile avant le match retour de jeudi prochain en Russie. Voilà, les deux équipes retournent près de leur coach. On va découvrir les cinq de base. En attendant, je vous présente le trio arbitral pour diriger ce match. Monsieur Kokainis, un Lituanien. Monsieur Chiari, un Italien. Et Monsieur Peters, un Hollandais. Alors une petite info du côté des Youngcats qui jouent ce soir sans Yana Raman, blessé depuis un petit mois à la cheville. Yana Raman qui s'était occasionné une solide entorse et qui est toujours en revalidation. Par contre, Julie Vanlo, également blessée à la cheville il y a quelques semaines, elle est bien en tenue, en équipement et prête à jouer son rôle à la distribution au sein de cette équipe des Youngcats qui, pour rappel, est coachée par Philippe Mesdak et son assistant Pierre Cornia. Tous deux m'ont confié que la tâche s'annonçait extrêmement difficile. Vous allez le voir en face du côté de Sheva Kata. Il y a du lourd dans la raquette, entre autres avec la numéro 50, Davenport, et qui fait quasiment 2 mètres. Les autres joueuses du 5 de base, la numéro 6, Laurie Moore, la numéro 7, Svetlana Maklina, la numéro 8, Sherepanova. Et la dernière, c'est la numéro 31, Christina Alikina. Pardon. Et on aura certainement aussi l'occasion de découvrir dans ce match Elena Baranova, une véritable légende du basket féminin russe. Du côté des Youngcats, vous les voyez, Mayombo, Messeman, Rossel, Hendrix et Strub pour composer le 5 de base qui monte sur le parquet. Et l'objectif certainement va être dans un premier temps de s'accrocher, limiter la casse et pourquoi pas, on l'a dit, forcer l'exploit et essayer de préserver attaque les chances pour le match retour. Mais ce sera très compliqué, mais pourquoi pas, il faut y croire avec l'entre-deux entre Davenport et Messeman. Et un premier ballon pour Moore à la distribution. Directement le pick and roll pour les Russes, le rebond de Davenport, premier rebond offensif. Ça va être une des clés de cette partie, hein, contenir les grands formats russes en dehors de la raquette. Voici à nouveau Davenport. Le shot, il est manqué. Et deuxième rebond offensif. On joue depuis 30 secondes et troisième possession déjà pour eux, les Russes. La pénétration, c'est bien joué en lay-up, mais heureusement, c'est manqué. Et le rebond d'Emma Messeman. Rossel, Strub, Rossel à nouveau. Et Mayombo qui organise avec l'écran de Messeman. À nouveau, Messeman, Rossel, le shot ouvert à 3 points. Il est manqué. Et le rebond pour la numéro 8, Sherepanova. Avec une première faute dans cette partie. C'est pour Noémie Mayombo. La remise en jeu pour les Russes avec Alikina. On ressort. Sherepanova toujours en possession du ballon qui prend le shot. Sherepanova, c'est manqué. Et le rebond de Mayombo. Strub. Messeman, c'est bien joué. Ça, on essaye d'aller vite dans la transition. Le petit layback de Messeman. Et les Youngcats qui ouvrent la marque après 1 minute 20 de jeu. 2-0 pour les Belges. Avec la bonne pression de Mayombo en défense sur Moore. Et la bonne défense de Messeman
qui va y aller face à Davenport. Elle est plus rapide. Quatrième point des Young Cats, quatrième point de Messemann. Messemann qui domine vraiment les statistiques des Young Cats. Elle intercepte encore un ballon. En fait, elle est la leader de son équipe dans tous les domaines du jeu, sauf les interceptions. Et 6 points pour Messemann. Je vous dis, Messemann, meilleure marqueuse, meilleure rebondeuse, meilleure joueuse au niveau des block shots de son équipe. Il y a juste, je pense, Raman, oui, qui est plus performante qu'elle aux interceptions depuis le début de cette Eurocoupe. Et la première faute de Sophie Hendricks sur Davenport, qui va hériter de lancer franc. Le premier lancer franc converti par Jessica Anne Davenport. Et le deuxième également. Les deux premiers points pour Sheva Kata. 6-2 pour les Belges. On joue depuis un peu plus de 2 minutes. Mayombo avec l'écran d'Hendrix. On n'arrive pas à jouer dans le pick and roll. On sera à l'opposé pour Struble. 1 contre 1. Messemann, le petit shot ouvert. Il est manqué. Et le rebond de Kérou. La contre-attaque rapide et un petit peu trop rapide. Maclina qui n'a pas pu s'emparer du ballon. Et à nouveau les Young Cats en possession du ballon. On peut parler d'un bon début de match. Des Young Cats qui mènent 6-2. Messemann, Rossel, à l'opposé de l'écran, le 1 contre 1, elle doit aller au bout. Oh, c'est dommage, le lay-up qui est raté. Et c'est reparti, et ça va vite en contre-attaque avec Moore. Mayombo qui prenait la charge et qui a empêché le lay-up, c'est bien défendu. Le 3 points ouvert, complètement manqué par Alkina. Et le rebond pour les Belges qui repartent en zone avant. Strub, Hendrix qui ne peut pas être servi, il est en dessous, on va aller chercher... Messemann, Mestrub qui a mis le pied sur la ligne. Et c'est un premier temps mort dans cette partie demandé par la coach puisqu'il s'agit d'une dame du côté de Sheva Kata, Olga Shuneikina. Voilà, retour sur le parquet avec Katerina Kérou pour effectuer la remise en jeu vers Maclina qui rejoue rapidement avec Kérou, Moore, Kérou et Davenport qui demande à l'intérieur. Gros duel avec Emma Messemann. Davenport s'est loupé et le rebond offensif de Moore. Il faut travailler sur le boxing out là du côté belge. Kérou à l'intérieur, la défense de Strub. Allez, il faut gagner ce ballon. Et là, c'est la contre-attaque Strub qui ne peut pas contrôler le ballon, qui va être rendu aux Russes. Kérou, Moore, devant une porte qui demande à l'intérieur et qui reçoit Messemann qui prend un petit coup au passage. Et le ballon qui ressort, pas de chance pour les Russes, tout profit pour les Young Cats. Et Noémie Mayombo, bien joué. Le petit lay-up, facile.
8-2. Ben, décidément, les Uncas ne pouvaient rêver meilleure entrée en matière. Elles qui nous avaient habitués lors des derniers matchs à des entrées en matière un petit peu poussives avant de bien réagir. Et à nouveau, les Russes en possession du ballon. Et c'est gagné pour les Young Cats. Un marché sifflé par le trio arbitral. Strub. Avec la faute d'Olesia Malachenko qui vient de monter au jeu. Olesia Malachenko, une vieille connaissance du basket belge, puisque pour rappel, elle a évolué ici même à Namur il y a quelques années. L'année passée, elle était en France, à Arras, où elle a livré une excellente saison. Elle est encore toute jeune, Olesia Malachenko. Elle a 21 ans, elle fêtera ses 22 ans au mois de février. Mayombo, Strub, Hendricks. Il y a moyen de jouer avec Messemann à l'intérieur. Et elle y va, Messemann. Pas facile face à l'imposante Kisileva. Et ses 2 mètres. Le lay-up un petit peu trop rapide. Hendricks, Rossel. Et pas vraiment de solution de jouer la contre-attaque, si ce n'est le 1 contre 1. Elle opte pour le petit shot. Bien joué de la part de Yasmina Rossel. 10-2. On joue depuis 5 minutes. Moore. Kérou face à Strub. Malachenko, le petit shot de Lesia Malachenko. Et le rebond qui ne peut pas être contrôlé par Moore. Les 2 coachs belges qui encouragent leurs joueuses et qui effectuent un changement. Strub qui regagne le banc. Et Sine Devliger qui fait son apparition sur le parquet. Elle va occuper l'aile avec Rossel. Et Mayombo, elle est toujours à la distribution. Messemann. Le 1 contre 1 face à Malachenko. La petite passe pour Hendricks, c'est bien joué. Et le contre de Kisileva. Kérou. Moore. Et on joue à l'intérieur sur Kisileva. Le petit bras roulé, c'est bien joué. Elle va être difficile à contenir à l'intérieur. Hein, on l'a dit, hein, 2 mètres Kisileva. Et un physique assez imposant hein, tout de même. Noemi Mayombo. Le pick and roll avec Sophie Hendricks, c'est bien joué, la petite passe. Ah, il fallait faire le tour à nouveau depuis sa montée au jeu. Elle est très très présente avec Kisileva dans la raquette. Kérou à 3 points. Elle opte pour la pénétration, la petite passe à l'intérieur. Le jeu en transition qui permet aux Russes de revenir à 10-6. Il reste 3 minutes 50 à jouer dans ce premier quart-temps. Naomi Mayombo. Rossel. Elle avait le shot ouvert à 3 points. Voilà, elle le prend après avoir hésité. Mais c'est une bonne option quand même. Premier panier à 3 points dans cette partie. 13-6 pour les Young Cats qui gèrent plutôt bien leur match hein, pour l'instant. Alors que la numéro 14, Lynn Lenteker, s'apprête à monter au jeu côté belge. Kérou face à Devliger, bonne défense. Le shot, le rebond de Rossel. On a corrigé le tir hein, au niveau du rebond du côté des Young Cats et ça va beaucoup mieux. Seulement sur la première possession qu'on avait laissé 3 rebonds offensifs. Depuis lors, ça va beaucoup mieux, Rossel. Messemann, elle doit faire parler sa vitesse de points. Et le bonus. Et la première faute de Kisileva. C'est ce qu'elle doit faire à hein, Messemann. Attirer Kisileva en dehors de la raquette et puis la prendre de vitesse. Ce serait une des clés du match certainement. On vous avait annoncé la montée au jeu de Lenteker. La voici. Et c'est Sophie Hendricks qui va souffler quelques minutes sur le banc. Le bonus pour Emma Messemann. Intenable Emma Messemann. 9 points déjà sur les 16 inscrits par les Young Cats qui ont 10 points d'avance. Hein, 16-6. Tout va bien pour l'instant. Moore face à Mayombo. Malachenko. Kérou face à Devliger. La petite pénétration, le shot main droite. Et là, le rebond trop facile hein, pour... Kisileva. Mayombo. Lenteker. Rossel à 3 points. Et à nouveau, le 3 points de Yasmina Rossel. Très très bien dans son match aussi. Hein, depuis le coup d'envoi.
Rossel Messemann, c'est le duo gagnant pour l'instant du côté des Young Cats. Et là, ça joue vite. Hélène Taker qui commet une bonne faute puisqu'elle a empêché Cherepanova d'aller inscrire un panier facile. On vous parlait de Kisileva et sa présence au rebond. Elle tourne quand même à 9 rebonds de moyenne depuis le début de cette Eurocoupe. Il faudra donc bien la bloquer. Alors que notre amie Maria Cherepanova loupe son premier lancer franc. Et on en rend un. Je pense que c'est Messemann ou Devliger qui est rentré un petit peu vite dans la raquette. Nouvelle chance pour l'ailière russe. Et celle-ci, elle ne la laisse pas passer pour amener son équipe à 10 points. 19-9. Et Mayombo. Le démarquage de Devliger. La grosse pression défensive, Lentaker, Mayombo qui ressort pour Messemann. Mayombo à nouveau, c'est bien joué ça. Oh, ça ressort, dommage. Ça méritait mieux cette action. Et on empêche la contre-attaque. Il faut défendre dur maintenant. Kérou, Moore. 10 secondes pour la possession. Et à nouveau Kisileva s'est loupé. Le rebond pour Messemann avec l'aide de Lentaker. De Vliger. Allez, il faudrait essayer d'accélérer un petit peu. La défense maintenant est replacée. On va pouvoir travailler avec Mayombo. L'écran de Lentaker, de Vliger, Mayombo, Messemann, Rossel. C'est bien fait de la part de Rossel, mais le deuxième contre de Kisileva. Très, très, très présente hein, dans cette fin de premier quart-temps. Et la montée au jeu d'Antonia Delar pour Naomi Mayombo. C'est donc Delar qui va se charger de la distribution. On l'a dit à Van Loo, elle revient de blessure. Le coach Philippe Meza qui ne veut donc prendre aucun risque pour l'instant. D'autant plus que ça va plutôt bien pour son équipe qui mène 19-9. Et un peu plus d'une minute encore à jouer dans ce premier quart-temps. Kérou qui va forcer la faute de Devliger. Et qui va obtenir deux lancers francs en toute logique. Oui, ils sont accordés par le trio arbitral. Katerina Kérou sur la ligne des lancers francs. Le premier est converti. 19-10. Elle est à 75% de moyenne depuis le début de la compétition est donc sur les 6 premiers matchs. Et le deuxième est converti aussi. Je vous parlais des 6 premiers matchs. L'équipe russe de Chevakata qui a terminé première de son groupe avec 5 victoires et une seule défaite. C'était lors du dernier match à Arras avec un nouveau contre. Et cette fois, c'est Moore qui a été contré Rossel. Je vous disais, une seule défaite lors du dernier match de poule à Arras. Sinon, 5 victoires pour terminer en tête du groupe E. Messemann et Rossel qui vont se reposer un petit peu. Van Loo, on en parlait tout à l'heure, qui fait son apparition sur le parquet. Et retour de Hendrix. Et attention à cette petite paire de balles. Heureusement, la balle est rendue aux Young Cats. Et les deux principales marqueuses des Young Cats qui sont sur le banc. Espérons que les autres joueuses vont trouver la distance pour pouvoir alimenter le marquoir. 50 secondes encore à jouer. Hendrix face à Malachenko. Van Loo. Devliger, le 1 contre 1 de Devliger, c'était compliqué. Et c'est récupéré par Moore. Cherepanova, qui joue à l'intérieur sur Malachenko face à Hendrix. Le petit shot en fadeaway, loupé. Et Devliger, ah, la passe dans les mains de Kérou directement. Et une dernière possession pour les Russes qui vont certainement aller au bout du carton. 20 secondes encore à jouer. Kérou qui va attendre le dernier moment pour prendre une option. On va peut-être jouer à l'intérieur hein, pour la numéro 15 Kisileva. Non, Malachenko qui prend le 3 points, c'est mal joué. Il reste 8 secondes et à nouveau un ballon trop vite perdu. Et la faute qui est sifflée contre Devliger. C'est sa deuxième à Devliger et deux lancers francs alors qu'il reste 3 petites secondes à jouer. C'est la numéro 8 Maria Cherepanova qui va tenter de ramener son équipe un petit peu plus dans le match. 19-11 au marquoir avant ses deux lancers francs.
Le premier est loupé. Les Russes qui ne sont pas dans le match ont-elles pris ça un peu de haut? Ben, c'est tout profit en tout cas pour les Yunkats. On ne va certainement pas s'en plaindre. Le deuxième est converti, 19-12. 3 secondes à jouer, ne pas perdre le ballon. Et attendre calmement la fin du carton. Voilà qui est fait. 19-12, bilan plus que positif dans ce match jusqu'ici pour les Yunkats. Philippe Mesdak et Pierre Cordia qui vont néanmoins tout faire pour maintenir leur équipe au moins à ce niveau. Retour sur le parquet pour ce deuxième quart-temps avec Julie Van Loo à la distribution. Delard et Mayombo qui vient de faire son apparition sur le parquet. On avait vu Noémie, c'est Manu qui est monté au jeu mais qui perd le ballon. La remise en jeu effectuée par Kérou qui joue directement à l'intérieur sur Kissi Leva qui a ressorti le ballon le 1 contre 1. C'est bien fait le petit lay-up. Et Delard qui n'a pas pu empêcher la pénétration baseline. Les Russes qui reviennent à 19-14. Et Julie Van Loo. Mayombo, l'écran de Lentecker, très physique. Hendrix, Delard. Et on a du mal à trouver le chemin de l'anneau. 8 secondes pour la possession. Delard à nouveau, Hendrix qui prend le shot, c'est loupé et le rebond qui est russe. Depuis que Messemann et Rossel sont sur le banc, très peu de solutions offensives. Et d'ailleurs le coach Mesdak qui rappelle Emma Messemann qui s'apprête à faire ce retour sur le parquet. Kérou face à Van Loo, 10 secondes pour la possession. Alikina face à Hendrix, ce petit lay-up il est manqué. À nouveau le rebond offensif de Kisileva. Il fait très très mal hein, avec ses 2 mètres. Delard. Van Loo. Le 3 points de Sophie Hendrix complètement loupé. Et le changement annoncé avec le retour d'Emma Messemann pour Lentecker. Et la paire de balles d'Emma Messemann. Passage beaucoup plus délicat pour les Yunkats, mais qui mène toujours au score 19-16. La possibilité pour les Russes d'égaliser sur cette action. Non, on opte pour le 2 points à nouveau dans la raquette.
C'est loupé cette fois, le rebond offensif. Faut pas lui laisser de chance à la grande Kissi Leva. Philippe Mesnak obligé de prendre un temps mort. 19-18, 7 minutes 55 encore à jouer dans ce deuxième quart-temps. Voilà, retour sur le parquet, 7 minutes 55 encore à jouer dans ce deuxième quart-temps. Julie Van Loo à la distribution. Et toujours les Russes en défense individuelle. Elles ont resserré à la pression quand même de l'art. Hendrix, Van Loo qui tente de profiter de l'écran de Messemann. Elle n'a pas su prendre le shot. On doit jouer à l'intérieur sur Messemann. Mayombo qui a hésité, Messemann. Et nouvelle paire de balles des Young Cats. Et les Russes en possession du ballon. Moore pour organiser un système. Il reste 15 secondes pour cette possession. Et on va jouer à l'intérieur sur Davenport. La bonne défense de Messemann. Manu Mayombo, Van Loo. Oh, la passe directement dans les mains de Maklina. Le lay-up facile. Et les Russes qui passent pour la première fois en tête dans ce match 19-20. Il faut réagir hein, du côté des Young Cats. Début de deuxième quart-temps, très très difficile. Messemann et la faute de Davenport. C'est plus facile de jouer à l'intérieur quand Davenport est sur le terrain que quand Yulia Kisileva est là. Hein. Ah, il faudrait les mettre ces deux lancers. Le premier est converti, 20-20. Emma Messemann qui a donc l'occasion de remettre les Young Cats en tête. Voilà qui est fait, 21-20 en faveur des Young Cats. Moore. Alikina qui parvient à jouer à l'intérieur. Les Russes qui font parler leur avantage de taille. Là, c'est la numéro 8, hein, Cherepanova, 1m89, qui avait l'avantage sur Mayombo et qui était prendre position sur l'anneau. Hendrix, ce petit shot en tête de raquette, elle aime bien. C'est loupé, Messemann très présente au rebond. Et on va réorganiser avec Manu Mayombo. Non, c'est Manu Mayombo maintenant. Pas facile hein, de reconnaître les deux sœurs au premier coup d'œil. Cette fois, c'est Noémie Mayombo qui prend le 3 points. Il est loupé. Et Manu qui aurait pu prendre le rebond. Et la bonne défense des Young Cats avec Hendrix. Delar. Allez, il faut garder ce ballon. Noémie Mayombo. Delar. Et les écrans avec Messemann. Oh, de l'art dans les mains de Davenport directement. C'est un petit peu naïf. La jeunesse belge qui se paye cash sur cette action. 21-24. Attention à ne pas laisser filer le BC chez Vakata. Mayombo. De l'art. Et à nouveau une mauvaise passe de l'art. Ce serait peut-être temps de revoir un petit peu Rossel sur le parquet. C'était l'ailière la plus productive hein, jusqu'ici. Moore.
Alikina face à Hendrix. Moore à nouveau, le 3 points, et cette fois il rentre. 21-27, et un petit peu moins de 5 minutes à jouer dans ce deuxième carton. Alors que Malachenko va faire son retour sur le parquet côté russe, et un triple changement se prépare côté belge. Massemann qui provoque la faute d'Alikina. Et les changements annoncés, finalement il y en a deux avec Malachenko et Kérou qui reviennent sur le parquet côté russe. Du côté belge, Manu Mayombo, Hendrix et Delar sur le banc. Rossel, Ray et Strub sur le parquet. Strub. Rossel à 3 points, elle avait mis les deux premiers. Celui-ci a manqué. Et le rebond gagné par les Russes. Alors qu'il y a eu un contact entre Mayombo et Kérou, Davenport, Malachenko et la faute d'Alisson met dans la raquette. Et deux points faciles dans la raquette pour Davenport, mais elle ne va pas vite. Messemann qui devrait la prendre de vitesse en zone offensive. Strub. Messemann qui garde ce ballon tant bien que mal. Avec Alisson May qui ressort. C'est bien fait ça. Strub à 3 points. Complètement loupé. Le rebond pour Malachenko. Avec Kérou qui peut relancer les Youngcats, pardon, les Russes. Et à nouveau une défense de May qui laisse Malachenko prendre position dans la raquette. À partir du moment où elle est derrière, mais elle ne peut que commettre la faute pour l'empêcher d'avoir le ballon. Et on change les gros morceaux côté russe avec Davenport qui retourne sur le banc. Et la redoutable Kisileva qui revient sur le parquet. Strub. Ah, à nouveau une perte de balles. Kérou. Et attention à ce que l'écart ne prenne des proportions trop importantes avant le repos. C'est 21-29 pour l'instant. Et elle dans la raquette. C'est chaque fois deux points. Mais si en plus on lui donne des bonus, ça va être très très compliqué. C'est la numéro 12 des Youngcats. Anne-Sophie Strub qui a commis la faute. 21-31. Et le bonus pour Kisileva. ...21-32, allez, il faudra un petit panier. Et Youngcats qui n'ont marqué que 2 points en plus de 6 minutes dans ce carton. Kérou à la distribution face à Noémie Mayombo qui recule. Et on joue de nouveau à l'intérieur. C'est Leva qui ressort bien. Kérou, le petit shot ouvert, il est manqué. Le rebond gagné par les Russes. C'est vraiment un problème, hein, ce rebond pour l'instant. Et à nouveau, le ballon qui arrive à l'intérieur. Cette fois-ci, il ressort bien. Le 3 points, il est loupé. Le rebond, à nouveau, Kisileva. 2 points. Elle les enfile comme des petits pains pour l'instant. Et à mon avis, des petits pains au déjeuner, il ne serait pas étonnant qu'elle en mange quelques-uns. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Retour sur le match. Attention à cette passe à nouveau, Strub. Alisson May, le petit shot complètement loupé. Kérou. Et on joue à nouveau à l'intérieur. Hendrix qui fait ce qu'elle peut en défense. Impossible à tenir. Qui s'éleva. 2 points et à nouveau le bonus en prime. Ça devient très très dur pour les Belges. Alors que la numéro 10 russe, Alexandra Stoliar, fait son apparition sur le parquet. Le bonus complètement loupé. Mais la solution,
c'est peut-être de faire des fautes sur elle, mais à partir du moment où elle ne marque pas, mais bon, si ses équipières prennent les rebonds offensifs et marquent les lancers francs, 21-38, 2 minutes 18 encore à jouer dans ce deuxième quart-temps. Allez, les Huncats qui reviennent sur le parquet pour essayer de limiter un peu la casse avant la fin de cette première mi-temps, 21-38. On vous parlait de l'omniprésence qui s'éleva depuis le début du match, mais c'est tout simplement déjà 7 rebonds et 17 points impressionnantes qui s'éleva sous les anneaux. On avait beaucoup parlé aussi de Messeman en début de match, hein, excellente, elle avait permis aux Huncats de bien démarrer. Elle s'est arrêtée à 11 points et 5 rebonds, ce qui est déjà pas mal du tout, mais elle est sur le banc maintenant, Messeman. Et c'est Mayombo qui se charge à la distribution. L'écran de May. Tente de jouer pour Hendrix. On passe parallèle sur Strub. Toujours Strub en possession du ballon. Mayombo face à Malachenko. Elle ressort. 5 secondes pour la possession. Il va falloir y aller. Elle doit prendre le shot. C'est pas mal fait de Strub malgré la présence défensive des Russes. 23-38. Et ce sont les deux premiers points pour Strub dans ce match. C'est bien joué, ça, la relation de pivot à pivot entre Malachenko et Dovinicki. Ben oui, qui s'éleva, qui va obtenir de nouveaux lancers francs. Ouais, le premier raté, c'est vraiment pas sa spécialité, les lancé franc depuis le début de cette Eurocoupe, 2 sur 12. C'est pas terrible du tout. Ici, elle est à 1 sur 3 dans ce match. Et la bonne vieille technique de la planche pour inscrire le deuxième, 23-39. Mayombo. Directement le pick and roll avec Hendrix. On joue à l'opposé. On revient chez Mayombo. Qui prend le 3 points, c'est loupé, le rebond gagné par Malachenko. Et Kérou pour relancer les Russes, un peu plus d'une minute encore à jouer. Kérou, Malachenko à l'intérieur, le petit shot facile. 23-41, quand on se souvient que c'était 19-11 à un moment, ça fait mal pour les Huncats. Mais, Rossel. Mayombo avec l'interception de Kérou. Le ballon gardé par les Huncats. 8 secondes pour la possession. Mayombo qui provoque la faute de Kérou. Troisième faute d'équipe côté russe. Donc ce sera une rentrée latérale. Et Messeman qui remplace Allison May. 49 secondes encore à jouer. Messeman. Adams. La passe à nouveau manquée. Heureusement, le ballon qui revient avec un peu de chance dans les pieds de Mayombo. Messeman et un marché qui est sifflé. 23-41. 39 secondes à jouer. Kérou. Qui s'en sort très bien face à la pression défensive. Les Belges qui sont en défense de zone. On joue à l'intérieur à nouveau. Et contre l'individuel ou contre la zone, Kisileva, c'est le même tarif, c'est 2 points à l'intérieur et ça fait 20 points pour Kisileva sur 43, c'est pas mal et c'est surtout presque autant que les Huncats toutes ensemble puisque le marqueur affiche 23-43. 20 points d'écart, 10 secondes à jouer. On prend le shot peut-être un peu rapidement et attention à la dernière possession. Stoliar
qui doit prendre le shot. Elle n'a pas vu le chrono. 23-43. 20 points d'écart. L'addition est très salée pour les Young Cats qui pourtant avaient très très bien commencé ce match. Ou c'est plutôt Shevakata qui avait peut-être mal commencé. En tout cas, 20 points d'écart. La mission s'annonce très très compliquée pour la deuxième mi-temps. On se retrouve d'ici une bonne dizaine de minutes pour la suivre ensemble.
Voilà, retour sur le parquet du Hall Octave Henry. Pour rappel, les Young Cats qui avaient très très bien débuté ce match, mais les choses qui se sont sérieusement compliquées pour elles puisqu'elles sont menées 23-43. On va repartir avec Hendrix et Messemann sur les anneaux. Mayombo à la distribution sur les ailes, Strub et Rossel. Le même 5 de base que celui qui avait débuté le match. Côté russe, on fait un petit peu tourner l'effectif puisque la meilleure marqueuse qui s'y leva, 20 points, est restée sur le banc. C'est Davenport qui occupe le poste 5. Un premier lay-up facile pour Maklina qui a aisément utilisé l'écran pour aller déposer un lay-up et obtenir le bonus. C'est au moins le troisième panier que bonus que donnent littéralement les Young Cats aux Russes qui ne se font bien sûr pas prier pour en profiter. 23-45 et 23-46 alors que c'est la deuxième faute de Strub. Mayombo, Messemann, Strub, Rossel, Messemann face à Davenport, 10 secondes pour la possession. Toujours Emma Messemann qui va aller au bout, c'était compliqué. Et le rebond gagné par les Russes, Moore. Cherepanova qui joue à l'intérieur sur Davenport. Le shot raté, le rebond d'Hendrix, Mayombo. Rossel, Messemann, Noemi Mayombo face à Davenport. C'est bien joué, il ne fallait pas aller au bout, il fallait prendre le petit shot, mais ça manquait de précision. Moore, le 1 contre 1, le petit shot aussi, ce n'est pas beaucoup plus précis. Hendrix qui tente de mettre un peu de vitesse. Et attention à la perte de balle, Strub. Oh, et là voilà la perte de balle évitable à nouveau du côté des Young Cats. 23-46. Et le BC Chevakata qui gère aisément hein, son match et qui a déjà 9 orteils en quart de finale. Parce que ce ne sera pas évident hein, pour les Young Cats d'aller jouer là-bas la semaine prochaine. Le BC Chevakata, c'est en fait situé du côté de Vologda, la ville de Vologda qui est 400 km au nord de Moscou, un fameux périple en perspective puisque les Belges prendront l'avion jusqu'à Moscou puis prendront le train pour faire les 400 derniers kilomètres vers Vologda, cette ville russe dont le nom signifie eau pure, comme la rivière qui traverse cette ville de 300 000 habitants. Mais retour à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le match avec Moore face à Mayombo, 5 secondes pour la possession, Moore sur un pied. À nouveau le rebond offensif, elle n'en fait rien. Et Mayombo qui peut lancer la contre-attaque. La faute de Moore pour casser cette contre-attaque justement et empêcher un panier facile. Alors qu'on voit tout doucement les Namuroises arriver dans la salle. Le staff est déjà au grand complet d'un côté du terrain et les joueuses sont de l'autre. Pour rappel, elles affronteront Eno Basket Saint-Amand, qui est cinquième du championnat de France. Ce sera à 20h30 en direct sur basketféminin.com, bien sûr. N'oubliez pas ce rendez-vous un peu plus tard dans la soirée. La rentrée pour les Young Cats. Rossel, Messemann, le petit shot. Et 2 points pour Emma Messemann. 13 points personnels pour la jeune et talentueuse pivot. 27-48. Allez, ce serait bien de redescendre en dessous des 20 points, mais il faut défendre. Et on siffle une faute à Strub, c'est sa troisième. 3 fautes pour Anne-Sophie Strub, que le coach Mesdak laisse sur le parquet. De toute façon, pas grand-chose à perdre vu le score. Et nouveau panier pour les Russes, 27-50. Strub, Messemann en tête de raquette. Rossel, le pick and roll avec Messemann. Elle choisit l'option à l'opposé. La passe qui est loupée, Moore avec le pied, c'est pas sanctionné. Et le ballon gagné par Messemann. Rossel, le lay-up facile, 2 points pour Yasmina Rossel. On joue à l'intérieur, Davenport. Et 2 points pour Davenport face à Messemann.
On peut déjà dire qu'elles auront fait très très mal à l'intérieur, hein, les Russes, avec Davenport et surtout avec Kisileva. Le shot manqué, le rebond à nouveau gagné par les Russes. Davenport, Moore. Le shot ouvert pour Maklina, le petit shot facile. 29-54, on a vraiment du mal, hein, du côté belge à contenir les Russes qui enfilent les paniers beaucoup trop facilement. Mayombo, Rossel, l'écran de Messemann, le ballon qui arrive chez Hendrix un peu chanceusement. 5 secondes pour la possession, Mayombo qui va devoir y aller. C'est bien fait, mais le lay-up était forcé et complètement loupé. Maklina, Alikina à 3 points, le rebond de Strub. Messemann, Rossel, Hendrix à l'intérieur. C'est bien fait ça vers Messemann, mais il y a des grands formats. Elle ne sait pas aller terminer cette action. On doit prendre le shot extérieur, ça ressort, pas de chance. Le rebond gagné par les Belges. Alikina qui avait le pied sur la ligne. Et un double changement côté russe. Malashenko qui va revenir sur le parquet. Et première apparition d'Elena Baranova, la numéro 44. On en a parlé en début de reportage. Baranova, une véritable légende, hein, du basket féminin russe. Et elle n'est plus toute jeune puisqu'elle fêtera ses 40 ans à la fin du mois de janvier. Vous allez voir, c'est une joueuse très très expérimentée. Fatalement, Hendrix, le shot à 3 points, il est loupé. Et le rebond de Moore, c'est Rossel qui avait tenté sa chance là-bas sur l'aile. Malashenko, le shot en fin de transition, loupé. Et le rebond qui échappe à tout le monde et le ballon qui est rendu aux Young Cats. Avec aussi un double changement effectué par le coach Mesnak. Strub et Mayombo sur le banc. De Vlieger et Van Loo sur le terrain. C'est d'ailleurs Julie Van Loo qui va se charger de la distribution. Et qui annonce le système. On travaille pour De Vlieger qui reçoit le ballon sur l'aile. Van Loo avec l'écran de Messemann. À nouveau Emma Messemann face à Baranova. C'est loupé. Le rebond de Messemann. Van Loo. Le petit pas de dégagement. La conclusion qui fait défaut. Et Messemann qui prend à nouveau le rebond. Oh, c'est loupé. Elle nous avait habitués à mieux. Mais le ballon qui est rendu aux Young Cats. On le voit tout de suite avec Davenport et Kisileva sur le banc. C'est beaucoup plus facile au rebond pour les Belges. Encore faut-il en profiter et se montrer un peu plus adroit sous l'anneau. Hendrix, Messemann, à nouveau le 1 contre 1. Et Baranova qui intercepte. La contre-attaque avec Maklina qui va au bout. Les 2 points et un nouveau bonus. Et c'est la 3e faute de Sophie Hendrix. Lenteker et Delard qui montent au jeu. Rossel qui rejoint le banc. De même que Sophie Hendrix avec ses 3 fautes. Et Svetlana Maklina sur la ligne des lancers francs. Maklina qui a déjà inscrit 11 points dans ce match. Et voilà le 12e, 29-57. L'écart qui ne cesse de grandir. Et on peut déjà le dire, les Belges iront certainement faire un peu de tourisme la semaine prochaine. Les chances de qualification sont quasiment réduites à néant. Et les Russes qui continuent à défendre dur. Delard qui s'aventure dans la raquette, qui ressort pour Messemann. De Vlieger avec la faute de Kérou, pas tout à fait d'accord avec l'arbitre. Mais c'est sifflé et c'est une remise en jeu pour les Young Cats. Signe de Vlieger. Messemann. De Vlieger, l'écran de Lenteker. Et on siffle la faute à la numéro 8, Cherepanova, qui s'était engagée un petit peu trop physiquement.
Devlinger à nouveau. Et on rejoue avec Emma Messemann face à Baranova. Devlinger. Messemann. Le 1 contre 1, elle va au bout. Deux points pour Emma Messemann. Qui réduit quelque peu l'écart. Et ce serait bien de bien gérer ce carton. Baranova à 3 points. C'est loupé. Malashenko rebond. Et Messemann qui s'empare du ballon. Delard. Van Loo. Le shot à 3 points. Julie Van Loo qui rentre. Il fait du bien celui-là. 34-57. Allez, on est à nouveau plus près des 20 points d'écart que des 30 points. C'est pas mal. 3 minutes encore à jouer dans le troisième quart-temps. Kérou. Baranova. Stoliar. Cherepanova qui joue à l'intérieur sur Baranova. 4 secondes pour la possession. La bonne défense de Messemann. Et Devlinger. Lenteker. Devlinger. Van Loo. Messemann. Delard. Qui va Bezlin. Qui ressort bien. Devlinger. Le shot ouvert à 3 points. Et deuxième 3 points consécutifs des Youngcats. Et tout de suite la coach Olga Shunaikina qui demande temps mort. 37-57. On est revenu à 20 points alors que l'écart a frôlé avec les 30 points. Il n'y a pas plus d'une minute. 2 minutes 29 encore à jouer dans ce troisième quart-temps. 37-57. Et la défense souterraine des Youngcats dans cette fin de troisième quart-temps. Ce qui n'empêche pas Kérou de monter le ballon assez facilement. Malashenko, Baranova face à Messemann. Elle a du mal à Baranova. La bonne défense de Messemann. Devlinger, tout en vitesse. Elle ressort directement dans les mains de Malashenko. Beaucoup trop de pertes de balles. Mais les Russes ne font pas beaucoup mieux sur cette contre-attaque. Julie Van Loo. Devlinger. Messemann. Van Loo. Le 3 points cette fois, il est manqué. Le rebond, Baranova à deux mains. Et Kérou. Qui va déposer le lay-up. Et le trio arbitral qui accorde les deux points, même s'il me semble que la faute était commise dans le dernier dribble. Mais on accorde de plus en plus ce genre de panier. Nouveau panier donc avec bonus en faveur des Russes du BC Chevakata. 37-60 avec ce bonus. Et Kérou qui a inscrit son cinquième point avec ce lancer franc. Van Loo. Delard. L'écran de Lenteker qui est fautif. Oui, ça fait quelques fois qu'elle y allait de manière un petit peu physique. Et vous les voyez là-bas au-dessus, le coach Goutal, c'est son assistant Michel Bechou qui observe ce match d'un œil attentif. Ils vont bientôt, bien sûr, aller préparer leur match, eux aussi, leur huitième de finale aller contre le BC Hainaut Basket Saint-Amand. L'équipe française, ce sera à 20h30 en direct sur Basket Féminin. Et nouvel écran fautif, cette fois côté russe pour Maria Cherepanova. Sophie Hendricks qui remplace Messemann côté belge. Vous la voyez, la numéro 8 belge qui remonte sur le parquet malgré ses trois fautes. 1 minute 15 encore à jouer dans ce troisième quart-temps. 37-60, Lenteker, Devlinger. Et la voilà Hendricks face à
Baranova. Elle ressort pour Devlinger. 10 secondes pour la possession. On joue à l'intérieur. Lenteker, Delar, qui est passé baseline. Non, elle a mis le pied sur la ligne et pas de faute sifflée. Les Belges ont du mal dans le duel physique. Elles se font bousculer un petit peu trop facilement, mais il y a quelques différences de centimètres et de kilos, mais aussi d'expérience. Voilà qui traduit certainement la différence de 23 points pour l'instant. Marquard, Stoliar, Kérou à 3 points, il est manqué. Le rebond pour Baranova qui ressort le ballon. Stoliar, Kérou directement dans les panneaux publicitaires. Julie Van Loo. Avec l'écran de Sophie Hendricks. Delar, Hendricks face à Baranova. Le 1 contre 1, c'est bien fait de la part de Sophie Hendricks. Et 17 secondes encore à jouer dans ce troisième carton. Dernière possession donc pour les Russes. Malachenko, Stoliar avec l'écran de Malachenko qui n'a pas pu recevoir dans le rôle. Et on a joué avec Baranova qui, elle, a pu servir Malachenko, qui provoque la faute d'Antonia Delar. C'est sa première à Delar. Et Malachenko, sur la ligne des lancers francs, elle connaît bien les anneaux. Hein. Pour rappel, on l'a déjà dit, elle a évolué ici au Dexia Namur il y a quelques saisons. Elle convertit son premier lancer franc, troisième point pour Malachenko. Et voilà le quatrième, 39. Allez, retour sur le parquet pour les 10 dernières minutes de ce match. 39-62 au marquoir. Antonia Delar pour Julie Van Loo. Et les Belges qui doivent tout faire pour limiter la casse. Évidemment, ce sera très dur d'envisager la qualification au match retour. Mais pour l'honneur au moins, Hendricks. Et c'est reparti avec... Les Russes en contre-attaque, ça va vite. Malachenko qui ressort le ballon. Malachenko à nouveau dans la raquette, c'est bien fait. Ça est le petit layback de Alexandra Stoliar pour conclure cette action, alors que la numéro 15, Kisileva, a fait son retour sur le parquet. Van Loo, Devlinger, Van Loo à nouveau. L'écran de Sophie Hendricks, ce petit shot sur la ligne de lancer franc de Julie Van Loo. 2 points de plus pour la joueuse belge. Et Moore à la distribution. Malachenko, Stoliar, Malachenko, Moore. Le petit shot ouvert devant Van Loo. 2 points de Laurie Moore. Ça fait 5 points pour elle et 41-66 au marquoir. 25 points d'écart. Devlinger, Hendricks, Van Loo. C'est bien fait ça pour Hendricks, le lay-up. Hendricks qui a faute, pâté la pause du pick and roll et qui a pu aller déposer. Et là, Malachenko, 2 points faciles. Non, c'est loupé de la part de l'échec Malachenko. Mais elle gagne son rebond offensif. Énormément de rebonds captés au niveau offensif par les Russes. Qui ont évidemment l'avantage hein, au niveau de la taille. Van Loo. Delar. Lenteker. Delar, c'est pas mal fait. Et le contre de Kisileva. Avec Stoliar. Malachenko. Et la faute de Lenteker. Troisième faute de Lenteker. Et un triple changement à nouveau côté belge. Alison May, les sœurs Mayombo sur le parquet, Delar, Van Loo, Ellen Taker qui regagne le banc. C'est Noémie Mayombo qui défend là-bas sur Moore. Ce sont bien les Russes en possession du ballon.
Au ressort, Stolière, le shot ouvert à 3 points. Il est manqué. Dovligueur, le rebond. Mayombo. Noémi Mayombo, toujours avec la faute de Moore. C'est sa quatrième. Dovligueur pour effectuer la remise en jeu. Mais, oh là là, la passe directement dans les mains de Moore à nouveau. Beaucoup trop de pertes de balles. Ça aurait été vraiment des gros bémols dans la prestation des Belges en cette fin d'après-midi. Le rebond gagné par les Young Cats. C'est Mela qui était au duel avec les grands formats russes. Malachenko qui regagne le banc et Baranova qui revient. Et personne ne l'a vu, même Mademoiselle qui s'éleva, qui a son lacet défait. On espère pour elle qu'elle ne va pas aller se trébucher dedans. Naomi Mayombo, de Vlieger. Mais à nouveau Mayombo pour sa sœur, mais c'est intercepté très facilement à nouveau par Stolyar. Le lay-up beaucoup plus compliqué. Hendrix qui obtient la remise en jeu. Mayombo à la distribution et 7 minutes encore à jouer. 43-68 et à une nouvelle perte de balle. Ça commence à faire vraiment beaucoup. Impossible de rivaliser avec une formation du calibre du BC Chevakata avec autant de déchets. Et Maklina en possession du ballon face à De Vlieger. On joue à l'intérieur qui s'éleva. Oh, c'est bien fait ça pour eux. La numéro 10 qui était toute seule, mais c'était complètement loupé. Baranova, comme au volet, qui a tapé dans le ballon 3-4 fois, mais qui finalement a pu s'en emparer, obtenir une faute. C'est la quatrième de Sophie Hendricks, deuxième faute d'équipe dans ce carton côté belge. Et deux lancers francs pour Baranova, qui loupe, toujours pas le moindre point inscrit pour l'expérimenté pivot russe. On vous le rappelle qu'il fêtera ses 40 ans à la fin du mois de janvier. Et le voilà, son premier point, 43-69, Mayombo. De Vlieger qui attaque l'anneau. Et là, le lay-up, il était compliqué. Baranova, le rebond. C'est son troisième. Moore. Stolière. Et à nouveau qui s'éleva, qui ressort bien. Le ballon qui arrive chez Moore. Baranova à 3 points. C'est loupé. Le rebond, facile. Ah, mais cette fois, c'est raté de la part de qui s'éleva, qui commet la faute. Toujours bloqué à 20 points qui s'éleva, mais c'est déjà pas mal, hein, me direz-vous. Surtout qu'elle n'a pas joué la moindre seconde dans le troisième quart-temps. 6 minutes 16 encore à jouer dans ce match. Naomi Mayombo pour sa sœur Manu qui ressort. Hendrix, le shot lointain. Les 2 points de Sophie Hendrix, 45-69. Moore. Maklina, qui n'a pas pu éviter la défense de Strub et qui concède la remise en jeu, la joueuse russe qui réclamait la faute. Mais il n'en est rien, le ballon est rendu au Young Cats. La coach Olga Shunekina, pas vraiment d'accord non plus avec le trio arbitral sur ce coup-là. Ça ne changera pas grand-chose au décompte final. Mayombo, qui va en un contre un, qui ressort pour Hendrix. Et la faute de Moore, c'est sa cinquième première joueuse à quitter définitivement le parquet. Et elle est remplacée par Katerina Kérou qui monte sur le parquet avec un large sourire. Et la remise en jeu pour Manu Mayombo qui récupère tout de suite le ballon. Hendrix. Le 1 contre 1 de Sophie Hendrix, c'était bien joué la part de Sophie Hendrix, mais le lay-up qui est loupé. Kérou, Stolière qui s'éleva face à Hendrix. Et là, en force, et Baranova à l'affût pour inscrire les 2 points, alors qu'on aurait pu siffler une petite offensive à qui s'éleva. Naomi Mayombo, Hendrix, Mayombo,
qui demande l'écran de Sophie Hendrix. Préfère jouer avec sa sœur maintenant, Manu. Alison May. Hendrix à 2 points. C'est un peu court le rebond pour Baranova. Et Kérou. Stoliar. Moins de 5 minutes à jouer dans cette partie. 45-71. Baranova, le petit shot facile, 2 points. Elle a trouvé la distance, Baranova. 5 points pour elle, 45-73. Temps mort côté belge et de nombreux changements qui se préparent de l'autre côté. Des deux côtés, pardon. Strub et Messemann qui vont remonter au jeu côté belge. J'ai vu aussi comme Alachenko se préparer côté russe. 46-69, 4 minutes 39 encore à jouer, vous le voyez. Et les deux coachs qui dispensent leurs bons conseils à leurs joueuses. C'était bien sûr 45-73. Je me fiais aux stats de la FIBA qui sont un cran en retard sur notre direct. Et c'est même 46-73 sur les stats de la FIBA. Et 45-73 marquoir du Hall Octave Henry. Ce sera vite rectifié d'un côté ou de l'autre. En tout cas, une bonne vingtaine de points d'écart, voire une petite trentaine. Il reste 4 minutes 39 aux Belges pour essayer de limiter la casse. Alors que les joueuses de Eno Basket Saint-Amand sont arrivées dans le Hall Octave Henry. Vous les voyez, elles vont rejoindre le vestiaire. Ce sont elles qui vont affronter le Dexia Namur Capital, également 8e de finale aller de cette Eurocoupe féminine. Ce sera à 20h30 en direct sur Basket Féminin. Mais tout d'abord la fin de ce premier 8e de finale avec Messemann, Hendrix, Strub, Mayombo, toujours Noémie Mayombo, le reverse, elle ressort son ballon, ça arrive chez Messemann, 3 secondes pour la possession, Hendrix qui force la faute d'Alikina, pardon, la numéro 31, et 2 lancers francs pour Sophie Hendrix qui a inscrit 7 points et pris 4 rebonds pour l'instant dans cette partie. Premier lancer franc est converti par Sophie Hendrix. 46-73 et 47-73 avec ce deuxième lancer franc. Stoliar, Kérou, Malachenko face à Messemann. La bonne défense d'Emma Messemann. Mais le ballon qui est toujours pour les Russes. 12 secondes encore à jouer. Stoliar qui est remplacé par la numéro 8, Cherepanova. Et on n'est toujours pas d'accord au niveau du score sur le site de la FIBA et sur le marquoir du Hall Octave Henry. On va suivre au marquoir du Hall Octave Henry. Et 2 points pour Cherepanova qui vient de remonter au jeu. 47-75. 10e point pour Cherepanova. Strub. Noémie Mayombo qui ressort pour Manu. Sa sœur qui y va, qui a été accrochée. Et Cherepanova qui commet sa 3e faute. 2 lancers francs pour Manu Mayombo qui n'a toujours pas inscrit le moindre point dans cette partie. C'est donc l'occasion pour elle de déflorer son compteur personnel. Voilà qui est fait avec le premier lancer franc de Mayombo. 48-75 et le deuxième pour faire 49-75. 26 points d'écart, 3 minutes 42. Kérou face à Noémie Mayombo, la bonne défense et le lay-up facile pour Mayombo. Kérou qui réclamait la faute auprès de l'arbitre mais il n'en était rien. Et on défend à nouveau très haut côté belge. On veut limiter l'écart et c'est bien logique en vue du match retour, même si ce sera, on le répète, très très compliqué d'aller jouer là-bas. Surtout si on laisse Mademoiselle Maclina aller mettre des lay-ups faciles, comme c'était le cas sur cette action. 51-77. Mayombo, Strub, avec l'écran de Messemann. Hendrix, le petit shot en tête de raquette, il est loupé. Le rebond, Kérou. Et les Russes qui vont prendre le temps d'organiser une bonne attaque. Non, Mayombo qui commet la faute dans la transition offensive.
C'est la troisième faute d'équipe côté belge, donc pas encore de lancer franc. Et nouveau changement avec Lenteker qui remonte sur le parquet. Et le shot à 3 points de Kérou. 51-80. 10 points pour Kérou qui aura fait un bon match à la distribution. Lenteker, Strub, Mayombo. Et le marché pour rendre la balle aux Russes qui vont certainement s'imposer avec une trentaine de points d'écart comme c'est parti là. Malachenko face à Lenteker qui joue à l'intérieur avec Alikina. Les deux points d'Alikina. 51-82. Deux petites minutes encore à jouer. Mayombo qui profite de l'écran de Messemann. Strub. Le 3 points. Non, c'était à 2 points, mais de toute façon, c'est raté. Le beau rebond de Lenteker qui aurait pu remonter tout de suite. La préférée donnée à Messemann qui provoque la faute de Malachenko. Kérou face à Mayombo. Et la bonne défense avec l'interception de Messemann. Mayombo qui va aller déposer pour réduire quelque peu l'écart. 55-82. Et à nouveau Kérou à la distribution. Mayombo dans les pattes de Alkina. Et maintenant en défense sur Kérou. La voici Alkina, pressée de près par Messemann. Toujours les Russes en possession du ballon. 5 secondes pour prendre un shot. La faute d'Emma Messemann et le panier qui, ce coup-ci, n'est pas accordé. C'est une rentrée latérale pour les Russes. Malachenko qui n'a pas pris le shot ni la pénétration, Stoliar. Et on joue à nouveau à l'intérieur sur Malachenko. La bonne défense des sœurs Mayombo qui gagne le ballon. Allez, on va bientôt entrer dans la dernière minute de ce match. Bon, on retiendra le très bon premier quart-temps des Young Cats qui, pour rappel, menaient au score et qui ont tenu tête pendant une bonne dizaine de minutes, mais qui après ont vraiment trop souffert dans le jeu intérieur. Ici, Malachenko qui ne parvient pas à finir la contre-attaque. Je vous disais donc, les Young Cats qui ont souffert dans le jeu intérieur face à Malachenko, l'ancienne namuroise, mais surtout face au redoutable qui s'éleva et essaie de mettre 20 points. Et puis, il y avait aussi Davenport, même si elle a mis 6 points, elle était présente, sans oublier Baranova, 5 points. Les pivots russes qui ont fait très mal. Mais il y a aussi de la qualité dans tous les secteurs du jeu et la logique a été respectée, a-t-on envie de dire. Mayombo qui loupe son premier lancer franc, toujours 55-82 ou 56 si on s'en tient au site de la FIBA. Et ça restera comme ça pour l'instant. Stoliar. Avec la faute offensive sur Noémie Mayombo qui se sera donnée hein, défensivement. Elle aura joué de longues minutes. Hein. Julie Van Loo, de retour de blessure, n'a pas pu jouer beaucoup à la distribution. Et Naomi Mayombo qui aura fait son possible. Et elle s'en est plutôt pas trop mal tirée avec 6 points de rebond et de bonne défense. La voici encore en possession du ballon. Elle ressort pour Lenteker. Manu Mayombo maintenant. Et on va tenter de trouver Messemann à l'intérieur. Messemann. 5 secondes pour la possession. Le 3 points de Manu Mayombo s'est loupé. Le rebond de Malachenko. Stoliar, 15 secondes encore à jouer. Allez, il ne faudrait pas prendre un dernier panier. Messemann en défense. Le ballon qui arrive chez Stoliar. 5 secondes. L'écran.
Stolière, elle ne peut pas y aller. Mayombo, elle n'a pas eu le temps de shotter sur cette passe de Messemann. Messemann qui finit meilleure marqueuse belge, 17 points. Avec Rossé, le 12 points. Ce sont les deux joueuses belges qui ont été le plus en vue dans ce match qui, pour rappel, avait bien débuté pour les Young Cats, mais qui a vite tourné en faveur des Russes, qui s'imposent donc finalement logiquement 55-82. Match retour, ça s'annonce très compliqué, certainement mission impossible. Il faudrait aller gagner de 30 points là-bas en Russie jeudi prochain, ce sera impossible. Mais les Young Cats qui tenteront de quitter l'Eurocoupe sur une bonne note, soyez-en sûrs. En attendant, nous on vous fixe déjà rendez-vous à 20h30 et même un petit peu avant pour un autre huitième de finale en direct commenté. Il opposera le Dexia Namur Capital à Eno Basket Saint-Amand, les Eaux, les Françaises. Et là, ça pourrait être un peu plus serré. Ce sera aussi l'occasion de découvrir Biljana Pavicevic, la nouvelle joueuse monténégrine du Dexia Namur, qui est arrivée en remplacement d'Ifi Ibekwe durant cette trêve hivernale. Donc, à tout à l'heure. Rendez-vous à 20h30 sur basketfeminin.tv.com.